Oh là là, la manifestation! La manifestation, tu aurais vu ça, tout cet élan républicain de l'unité nationale! Ah, donc tu es allée à la manifestation, je suis Charlie. Mais bien sûr, regarde, je suis Charlie. Tu vois, Mais t'as pas dit que t'étais croyante? Bah, bien sûr que si, mais je ne vois pas le rapport. Enfin, on est dans le pays des droits de l'homme. La liberté d'expression doit être défendue. C'est notre spécificité. D'accord, donc ça te dérange pas qu'il critique Jésus, qu'il se moque de lui, qu'il le met dans des positions avilissantes? Non, tu confonds tout. Ça te dérange pas? Non, alors. D'abord, je suis Charlie parce que je condamne. D'accord, mais t'avais déjà acheté Charlie avant? Non. Ah, d'accord. Mais attends. Non, je vois très bien où tu vas en venir, Aïcha, tu ne mourras pas. Non, c'était une simple question. Moi, je voulais juste savoir si tu l'avais déjà fait avant. Alors, attends, moi, quand je dis que je suis Charlie, je ne dis absolument pas que je défends forcément ce qu'ils disent. Mais c'est quand même une preuve très forte de l'obscurantisme qui revient en force. Hein? Alors, moi, je dis non, je suis Charlie. Parce que, certes, je suis chrétienne, mais je suis française avant tout. D'accord. Je suis française avant tout. Et pourquoi tu n'as pas écrit « Je suis française » au lieu d'écrire « Je suis Charlie » ? Mais parce que c'est Charlie qu'on a tué! D'accord. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui vient, qui t'insulte, le jour où il meurt, tu vas devenir lui? Je ne comprends pas, c'est un raccourci qui n'a absolument rien à voir, Aïcha. Ah, d'accord. Tu fais des raccourcis pour essayer de me tendre des pièges, mais non, je suis désolée, cela n'a rien à voir. Il s'agit de liberté d'expression. Quand je dis je suis Charlie, je dis que je soutiens la liberté d'expression. Et pourquoi tu écris pas simplement je soutiens la liberté d'expression au lieu de dire je suis Charlie alors que c'est un journal qui attaquait tes valeurs et tes principes? Mais ça, quand même, enfin, tu cherches la petite bête, c'était parce que nous étions dans un élan national. Et puis tout le monde l'a écrit. D'accord, donc toi, tout le monde y fait bête, tu fais bête. Bon, écoute, je n'apprécie pas que tu insultes mon intelligence. Mais c'est pas ça que j'ai dit, je te pose une question. Si tout le monde y se jette par la fenêtre, tu fais comme tout le monde, tu vas te jeter par la fenêtre? Non, écoute, on peut donner différentes interprétations à « je suis Charlie ». Voilà, moi je n'étais pas Charlie, c'est-à-dire en défendant leur ligne éditoriale, et j'étais Charlie parce que cela veut dire que ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Ça aurait pu être moi. Enfin, tu les as entendus, ces fanatiques là qui disent... Oui, bien sûr, mais il y a peut-être un autre slogan. Moi, en tous les cas, je suis désolée, je suis pas Charlie. Bon, eh bien, c'est un tort. Je suis désolée. Pour une fois qu'on avait l'occasion d'être tous unis, faut toujours qu'il y ait des voix discordantes. On s'en sortira. Et pourquoi c'est un tort? Tu défends la liberté d'expression. On est d'accord. Moi, je suis libre de m'exprimer. Si moi, je me sens pas Charlie, j'ai le droit de le dire. Tu vois, ça veut pas dire que je condamne pas ce qui s'est passé. Dans la vie, c'est pas auto blanc, auto noir. Moi, simplement, je me reconnais pas dans Charlie. Le slogan, il me plaît pas. Je peux dire, par exemple, je suis la liberté d'expression. Je suis contre qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour dire je suis Charlie, non. Moi, ils ont insulté ce que j'ai de plus cher dans ma vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est encore plus important oui, que mes propres oui, pas. Oui, c'est ton prophète. Oui, voilà, que la paix soit sur lui. Donc, oui, moi, ça me dérange. Oui, oui. Avant, oui. J'aimais pas. Je vais pas aimer maintenant qu'ils sont morts ou la dire je suis eux. Ça il ne s'agit pas d'aimer, il s'agit d'apporter ton soutien à un acte absolument horrible. J'apporte mon soutien, mais sans être eux. J'ai le droit. C'est la liberté d'expression. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas le droit. Je dis juste que dans un moment pareil, nous avons besoin d'être tous soudés. Et ceci était juste un élément pour montrer que nous étions tous soudés. Mais on peut être soudés sous une autre bannière que celle-là. Moi, la formulation, elle me dérange. Je ne vais pas mettre « je ne suis pas Charlie » tout de même. C'est quand même un peu indécent dans ces conditions. Non, tu peux rien mettre du tout. Ou je suis la liberté d'expression, ou je suis plein d'autres choses. Mais moi, c'était mon envie, ok, de me sentir une avec toute cette masse d'inconnus, car nous sommes tous liés en tant que Français. Tu comprends? Oui, tu as le droit. Voilà, donc tu n'es pas et moi je suis. Oui, c'est très bien, tu as le droit. C'est voilà. Bien. Chacun a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. Bon, écoute, faut que j'y aille parce que je voudrais aller acheter mon magazine, là. J'ai fait la queue hier, j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'y vais. Ah, tu vas l'acheter maintenant qu'ils sont morts? Mais c'est un soutien! Mais ils sont plus là. Oh, écoute, on n'arrive pas, hein, on n'arrive pas. Mais fallait l'acheter pendant qu'ils étaient vivants, quand ils étaient dans la galère, ils allaient faire faillite. Moi, mais je c'est aujourd'hui, justement! C'est un message aux terroristes pour leur dire « Vous ne nous aurez pas !» Vous ne nous aurez pas! D'accord. Ils sont pas morts? Mais je parle des terroristes. Oui, les terroristes, ils sont morts, ils les ont tués aussi. Oui, mais leurs amis.